Resident Evil. Fruits et légumes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à toutes. C'est Maxime Molino et on se retrouve pour la suite de la soluce de Resident Evil 3. Et précédemment, nous avons fait un peu la rencontre des mercenaires d'Ambrella et on est en train de chercher des trucs pour réparer le train. Il nous en reste deux à récolter. Vous allez me dire, mais c'est pas la mer à boire, mais j'ai pas soif. Désolé. Ouais, toujours aussi con. Vous êtes en train de vous dire. Vous êtes surtout en train de vous dire, est-ce qu'il est belge ou est-ce que Nardine? Ma foi, je ne saurais vous répondre. La réponse après cette page de publicité. Les zombies sont de retour à leur endroit habituel. Ouais, on est... Il y en a même un qui a respawn là-bas. Ben, allez. Si tu dansais la carioca, nanana, tu mets ses fosses en polka. Au revoir. Vous ne m'avez jamais vu. J'ai tout entendu, hein. Ouais, je suis con. Hello! Il schlame une chance, one schlamse! On va la placer ici. J'ai reposé le livre? Je suis aussi con que ça? J'avais reposé le livre. J'avais reposé le livre! Le mec qui va se répéter trois fois. J'ai reposé le lit. Bitch, please. Ah putain, mais je suis con moi. Ah mais je suis con hein Jean-Paul hein. Ouais, tu t'en branles Jean-Paul. Il est où le livre? Qu'est-ce qui branle là? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Le mec est complètement fou là. Ne s'énervons pas. J'ai complètement taré moi. Voilà. Bitch, please. Arrêtez de vomir, bordel! Si vous voulez vomir, faut vomir chez la carioca. Oui, je sais, je casse les couilles avec la carioca. Et alors? Bon, on a le bouquin. Ouais, mais je me doutais, hein. Mais tu pourrais quand même passer, hein. T'as des bras, non? Bon, allez. On récupère l'avenir, la boussole en bronze. Et allons-y, Alonso. Sais-tu danser le zon à Alonso Zo? Yo les zonzo, Enzo Zo, yolo. C'est pourtant pas très compliqué. Le hula hou, hello chichou. Oh oui, Gilbert! Sais-tu danser la carioca? Toujours long à la détente, mec, hein. Et toi là-haut, bitch pace, bitch pace. Ah bah enfin, hein. Bon, c'est à croire que tu attaques Doc. C'était marqué sur le panneau. Oui. Je sais. Je me rattrape avec des trucs à la con. Mon Dieu, des clips dans un magasin de vêtements. Remarquez que les clubs dans celui-là, ils apparaissent par paquet de 3. Alors généralement, c'était par paquet de 2 dans les autres. Ouais! Ça change.
On remarquerait qu'accessoirement qu'il y a aussi beaucoup plus de zombies en général. Faut que j'aille où déjà? Ah oui! Alzheimer. Alors ici on pouvait avoir des corbeaux à la place des chiens. D'ailleurs on n'a pas encore vu les corbeaux. J'espère qu'on les verra. Ah oui, il est possible de faire le jeu sans les croiser, les corbeaux. Montre-moi ton cul. Oh! Bien sûr, il y avait une batterie. Donc c'est à ce moment-là qu'on est en train de se dire « What the fuck ?» Mais on est dans un Resident Evil, faut pas chercher la logique. Une vieille batterie, aussi efficace que les modernes. Ouais, qu'est-ce que ça foutait dans le cul d'une statue? La batterie qui va nous servir pour un monte charge dans le truc d'un chantier en construction. Il y a un mec qui s'est vraiment fait chier à cacher tous les trucs en mettant des codes alors qu'il y avait une invasion de zombies. Faut croire que oui, hein. Ou c'est que le mec voulait troller les ouvriers du chantier d'à côté. Hé hey les gars, j'ai caché votre batterie. Allez, essayez de trouver. Ah bah tant que vous la trouvez pas, vous pourrez pas continuer vos travaux. En fait c'est monsieur Trollolo, hein. Trollolo. Eh ben Robert, ah, tu pensais que je t'aurais pas tué. Bon, l'autre, on va l'appeler Francis et on va le laisser vivant. Comme tout Francis. Hein, Francis, on va pas te tuer, Francis. Utilisons la batterie. Encore? Vous avez pas entièrement pété la tronche, vous? Accessoirement? J'aurais peut-être dû amener une arme. Accessoirement. Voilà, j'en récupère une. Sans munitions. J'y vais pas faire long feu. Bon, bah, les draps d'animaux, c'est fait. Blaine d'animaux. Je sais pas comment on les prononce. La place pour mettre la batterie que t'as trouvée dans le cul du maire. Bravo! Bonsoir. Ici Jean-Pierre Foucault. On se retrouve pour qui va gagner des millions. Vous aimez les tartes aux fraises, les pokés d'Arby? Eh ben, je vais tout de suite à qui va gagner des millions. Allez! Oh putain, des camionneurs! Enfin, des bikers, je dirais plus, mes amis. Oh putain! C'est quoi que ces zombies? Eh, hey, y'en a combien? Ouais! Ouais! Ah putain de merde! Mec! Bon, je pense que je vais pas réussir à te buter. T'as mis avec combien? J'aurais peut-être dû économiser pour tirer sur le truc. Bon, désolé les gars, il y a plein de munitions. Je pourrais pas vous tuer. C'est VM de l'intérieur. Eh ben dis donc. Voilà, nouveau style de zombie, hein. Dans celui-là, les bikers. Bon. Ah ah. Bon. C'est vrai, j'aurais dû penser aux munitions. Bon. Et comme ça, après, on pourra échanger avec le flingue. Vous allez voir à quoi ça ressemble, le flingue. Je vais prendre le flingue et le fusil à pompe. Je pense que je vais surtout prendre essentiellement le fusil à pompe. Je vais prendre que le fusil à pompe. Non, je vais prendre aussi le flingue. Le transformateur qui alimente le complexe. Le mode de est activé. Autobus! Oh là là. Une ancienne sortie de secours. La contention de la poignée empêche d'ouvrir la porte. La défoncer? De la poudre, mais. La sniffer? De la poudre, mais. La sniffer? De la poudre, mais. La snouffer? De la poudre, mais. La manger? De la poudre, mais. Je suis chiant. La manger? Ah, je vais peut-être prendre que le fusil à pompe. Ouais. Je pense que là, je vais avoir assez de munitions de pompe. Hein.
N'oubliez pas de mettre les metteurs en mode manuel. Parce que vous étiez des transformateurs. Dans ce système, il faudra que les courts-circuits. Assurez-vous de ne pas le pousser au maximum. Voulez-vous le mettre en mode manuel? Bravo, vous l'avez mis en mode manuel. Voulez-vous le mettre en mode manuel? Bravo, vous l'avez mis. Seule situation, le virus s'ouvre entre 15 et 25 volts. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière porte. Salle haute tension, le virus s'ouvre entre 115 et 125 volts. Voilà. Donc, vous allez devoir ouvrir les deux portes. Enfin, il n'y en a qu'une qui est bonne, mais je vous conseille d'ouvrir les deux. Vaut mieux. Bonsoir, le transformateur qui alimente le complexe actionné interrupteur. Alors, le premier interrupteur, allez, entre 15 et 25 volts, on peut y arriver. Rouge. Bleu. Bleu. Mince, rien ne se passe. Oui. Bleu. 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 Allez, il y a des trucs ouverts. On va ouvrir les deux. Voilà, comme ça c'est fait. Les deux sont ouverts. Ou bleu. Mais alors, on va d'abord fouiller la première. Yes. Qui contient le fusible. En fait, c'était pas celle que j'avais envie de fouiller en premier. C'était l'autre. Je savais plus laquelle dans quel ordre, hein, mais me pardonnez. Là, vous pouvez entendre des zombies. Mon dieu. Putain, j'aurais vraiment dû emmener des munitions. Fais chier. Donc là, on a deux choix. Vers la sortie de secours ou augmenter la puissance. Augmenter la puissance. Attention les gars, allumez le feu. Wow, yeah. Ouais, feu d'artifice. Je crois qu'ils sont calmés. Si jamais on fonce vers la sortie de secours, donc on passe par là. Et à l'extérieur, on croise Nemesis qui nous fusille avec son lance-roquette. Mais j'ai pas envie d'affronter Nemesis, surtout que j'ai pas de munitions. C'est ça. Oui, Nemesis. Ah, c'est vrai qu'on l'avait oublié celui-là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah, un placard. Et là, il y a le lance-grenade cette fois-ci. Lance-grenade. Yeah, y a rien d'autre. Oui, je vais associer avec le fusible, non. Lance-grenade HKP de taille réduite, conçu pour la police, chargé avec des grenades à fragmentation. Donc maintenant on sait que la police de Raccoon City avait au moins deux types de lance-grenades. Celui du 2, je sais plus lequel c'est, il est connu, et celui-là. Vu que celui du 2, il est tellement connu qu'il est même dans Uncharted, souvenez-vous. Un fusil pour une machine de grande taille. Ok. Donc là, ce qui nous intéressait, c'était le lance-grenade. Qui va nous être bien utile, quand même. Enfin, bon, bah, au moins, on a des barbecues de zombies, hein. Si quelqu'un a un petit creux. Miam. Ça donne faim. Mais est-ce qu'il reste encore un Kinder Bueno? Bonjour, Dégoleman. T'arrêtes de me dégueuler dessus. Bonjour, Ginette. Oh, il y a un ouvrier mort. Il avait des balles de pistolet seul. On est aux États-Unis, hein, faut pas chercher, ouais, ça va. C'est tout d'un, c'est la carioca, là, là. Mais ce n'est pas un fox clone in a park. Ce n'est pas un aller compliqué. Du oula ou. Du la carioca te fait bouger. J'ai peur qu'il y ait Némésis. Non, généralement, quand il est là, il y a une musique de tension. Quoique, normalement, la musique de tension, c'est surtout quand tu l'as vu une première fois dans le coin. Ah, on peut entendre des tirs.
Donc, vu la voix, ça avait l'air d'être notre cher ami Nikolai. Je peux plus répondre. Fuck that shit. Bon. Je reviendrai. Il y a des grenades. Pour le lance-grenade. Donc, il y avait un zombie dans la bagnole de flic. Heureusement qu'il est pas sorti quand il y avait les chiens. Aïe. J'en ai marre de me craquer le zglebs. Bon, la batterie. Oh, la batterie. Oh, la batterie. Oh, la batterie. À la batterie, il y a Jean-Claude. On va charger un peu le lance-grenade si ça vous dit. Par contre, vous êtes pas fou, hein. Je veux pas gaspiller le lance-grenade. Je le garde pour notre pote Némésis. Regarde, ce que je vais prendre, c'est le pompe. Le pistolet, je veux pas le prendre. Oh, le pistolet, il peut encore attendre. Ce qui m'intéresse, c'est le fusil à pompe. Allez, le pompe. Je crois que j'ai beaucoup de munitions de pompe. Je crois que j'ai vraiment un peu beaucoup de munitions de pompe. Ouais, allez, vas-y, à main nue. Non. Nous, on est badass. On y va à coup de pompe. You staying pump. Donc là, on a vu Nikolai. Mais visiblement, je pense qu'on le croisera dans peu de temps qui vient. Bon. Oui, je vais les prendre. Putain de juifs. C'est faux, je voulais pas insulter les juifs. Ah ouais, j'ai fait fort là. Double headshot. Et les zombies qui continuent de marcher même après un double headshot. Allez, bitch. Poum. Allez, venez toi aussi. Poum. Oui, même pas besoin de viser sur les zombies, hein. Poum la tête, quand même. Allez, mec, t'es le seul à qui j'ai pas fait de headshot. Viens là. Bon, allez. Dis bonjour. Paf. Ouais, ça m'amuse. Pour ceux qui se demanderaient. Ça m'amuse beaucoup. Mais vraiment. Mais vraiment, alors beaucoup, beaucoup. Bon. On va continuer notre route. Pourquoi je prends un accent? J'y essaye pas, hein. Au moins, on varie un peu et on change d'arme. C'est pratique. Ah, c'est plus calme depuis que j'ai tué tous les chiens du coin. Par contre, ils avaient tous des Doberman, les habitants de cette ville. Bordel. La ville aux Doberman. C'est raton laveur. Si, raton laveur. Raton laveur ville. Ouais. Heureusement que ceux-là se réveillent pas, ces zombies. De toute façon, quand il y a des morts bien modélisés, ils se réveilleront jamais. Et quand ils sont modélisés avec les graphismes des zombies du jeu, ils vont se réveiller. C'est la logique. On dévisse un peu. J'ai plus besoin de la clé à molette. Ouais, bon, cette fois-ci, je vais pas la garder. Je me rappelle la fois dans un Resident Evil, je crois que c'était le premier. J'avais gardé Deadly Silence plutôt. J'avais gardé tous les objets qu'ils nous demandaient de jeter. À la fin, j'avais le coffre rempli. Ce qui était chiant, vu que je pouvais plus rien mettre. Elle se fixe à une bouche à son. Non! Bravo, Captain Obvious. Youloup. 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 Coucou. Toi non plus, tu travailleras pas. Mais non. Oh. Bonjour, plaf! Et toi, viens là! Eh, hey, mais t'es tout vert, pute! Je veux pas de câlin! Ah, putain! Je veux pas de câlin, je te dis! Putain! J'ai dit pas de câlin! Donc là, nouvel ennemi! Les Brain Suckers!
Oui, suceur de cerveau. En gros, c'est un peu les cousins des Drain Dynamo. D'ailleurs, c'est la même origine, c'est tous les deux des puces qui ont muté. Sauf que les Brainsucker, ben, sont verts et peuvent marcher donc à deux pattes comme vous l'avez pu le voir. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre différence? Je crois que les Brainsucker peuvent donner des bébés, Brainsucker. Je crois que c'est eux. J'hésite entre les Drain Dynamo et Brainsucker. Non, c'est eux. Il peut y avoir des bébés. Je les ai jamais personnellement rencontrés, mais je sais qu'il y en a. J'avais vu. Ouais, putain, je te marche dans la jambe, toi. Donc voilà, on les rencontre. Alors, eux, on peut réussir à faire une partie entière, comme pour les corbeaux, sans jamais les croiser. Parce que généralement, ils sont dans les mêmes endroits que les Drain Dynamo. D'ailleurs, un coup, c'est les Drain Dynamo. Donc, c'est aléatoire. Généralement, c'est soit les Drain Dynamo, soit les Brainsucker, aléatoirement. Et des fois, tu peux tomber sur les Drain Dynamo. Par exemple, généralement, là, je tombais sur les Drain Dynamo, c'est la première fois que je tombe sur les Brainsucker dans cet endroit-là. Donc, je pense qu'après, ce sera les Drain Dynamo que je rencontrerai dans l'autre endroit. Parce qu'après, il y a un endroit où je rencontrais généralement les Brainsucker, mais je pense que là, ce sera les machins. Je suis en danger, les gars. Heureusement que j'avais un spray made in Umbrella. Ah, Umbrella, il sauve des vies parfois. Bon, ils ont tué surtout, mais... Ouais. Bon, quelques chiens. Je les avais pas tous butés, les chiens de la ville, finalement. C'est bien, on rencontre de nouveaux ennemis. Je sais pas si on les reverra, sincèrement. Pour les raisons que je viens de vous susciter. C'est ici qu'on doit utiliser le machin. Mais je vais sauvegarder. Et m'arrêter là pour le moment. Salut ! Non. Non. Normalement, je crois que le lance-grenade peut contenir autant de munitions que possible. Comme celui du 2, je crois aussi. C'est-à-dire, tu peux lui mettre toutes les munitions du jeu sans l'avoir utilisé. C'est badass. Lance-grenade avec 100 grenades dedans. Ah ouais, hein? Bam. Alors, je l'ai foutu où les... Ah, ils sont là. Ah, c'est le premier spray que j'utilise. Enfin, je crois... Non, le deuxième. J'en avais utilisé un contre Nemesis. Putain, deux vidéos sans Nemesis. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de se branler sur YouPorn. Nemesis, t'as oublié ton objectif, buter les stars. Ah, il se remet encore de l'accident au restaurant. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Allez, bye les gens.